Bonsoir messieurs, dames. Alors ce soir nous sommes dans le cours numéro 55 d'art dramatique et je vais vous parler de la volonté de l'acteur dans l'intention de jouer la scène théâtrale. La volonté de l'acteur, c'est-à-dire son désir d'obéir à la mise en scène, son désir d'obéir à son texte, à la manière dont l'acteur pense qu'il faut créer le personnage théâtral, etc. Parce que la première chose que l'on pense, c'est qu'il faut une formation qui va nous expliquer justement comment on va jouer la comédie. Comment jouer la comédie. C'est le comment qui pose tout un problème. Parce que dans notre esprit cartésien, on voudrait qu'il y ait un comment. On voudrait qu'il y ait une raison, on voudrait qu'il y ait toute chose qui obéisse à notre intellect, à notre façon de penser. Alors qu'en réalité, la comédie, ça n'obéit à rien. Très difficile de faire comprendre à quelqu'un qui a appris un texte qui doit rentrer par une porte, sortir par une autre, qui doit dire quelque chose sur scène. Très difficile de lui dire que tout ça, ça n'obéit à rien. Impossible, d'ailleurs. De comprendre. C'est pour ça, quand je parle à des débutants qui veulent apprendre quelque chose à la comédie, ils veulent avoir des trucs. Et les trucs, ce sont les pires ennemis du comédien, puisqu'il ne doit obéir à rien. À aucun truc. Le comédien doit être absolument libre, comme un oiseau sur une branche. C'est pour ça qu'il faut écouter. En ce moment, j'écoute les oiseaux dans les branches pour ne pas les contrarier. Voyez, la comédie, c'est quelque chose Même le silence, il parle en comédie. Le silence dit beaucoup de choses. Pour arriver à se défaire de tous les systèmes que l'on peut étudier, il faut d'abord les étudier et les rejeter un à un pour finalement se retrouver avec plus rien autour.
et en même temps se retrouver enrichi par tous ces systèmes qu'on a rejetés. Parce qu'ils nous ont appris justement à ne pas commettre des fautes. Dans le nouveau système dans lequel on va s'engager. Nouveau système inconnu. J'aime bien faire la comédie dans le sens de quelque chose d'inédit qui n'a jamais été fait avant. Quelque chose de... d'intemporel, comme ça, magique. L'écoute, le silence, il n'y a pas de silence. Vous entendez? Et même quand je vous parle, je vous écoute, je vous entends. C'est ce que j'avais constaté. Quand on pense à quelqu'un, ce n'est pas la personne qu'on pense. On écoute une personne. On l'écoute nous parler dans notre tête. On a l'impression qu'elle nous parle. On ne pense pas à elle. On pense à sa présence qui est en nous. On a l'impression qu'elle est en nous, oui, qu'elle est là. On a l'impression de vivre avec elle. C'est marrant. C'est les gens qu'on aime. C'est ça, la comédie. C'est de revivre cet instant présent, cette vérité, la vérité qui est en nous, la transmettre, c'est pas la transmettre, c'est, vous voyez, la vivre comme ça. Quand j'entends l'oiseau, il résonne en moi, puis le silence. C'est en moi, dans ma tête. Et quand c'est en moi, c'est aussi en vous. C'est cette... Comment je peux dire ? Cette transcendance, vous voyez, entre tout.
tout entre le monde, l'univers, enfin tout ça. C'est vivre cet univers comme si on y était à l'intérieur. Là, je suis ici, je suis en même temps chez vous. Et je suis en même temps chez vous. C'est réel. Je sais pas comment ça se fait. C'est magique. C'est extraordinaire. C'est ce don de s'épandre comme ça. C'est pas de s'épandre, c'est de ramasser, c'est de vivre l'ensemble comme un tout. La scène, elle fait un tout, vous voyez. La scène, elle s'étend, elle va très loin, la scène. Elle s'arrête pas juste là. Elle va loin. Elle va jusque chez les gens. Elle va dans les maisons, elle va de partout, la scène. Là, j'avais un coin de scène qui me venait de 1000 km en arrière. J'étais à 1000 km en même temps, et en même temps ici. J'ai l'impression qu'il me sentait, vous voyez, à 1000 km. J'ai l'impression d'être présent là-bas, autant que ce que je suis ici. C'est ça le don de la comédie. C'est ça le don du spectacle. C'est d'être présent universellement. Comment expliquer? Il n'y a aucune explication. On peut faire des cours, 1000 cours d'art dramatique. Comment expliquer ce qui est inexplicable? L'idée des cours, c'est de ne pas devenir fou, en quelque sorte. C'est de maintenir son esprit dans une forme de façon à ce qu'il soit sain, d'avoir un esprit sain pour ne pas dérailler dans la folie. L'idée du cours d'art dramatique, c'est ça, c'est de garder les gens dans une forme équilibrée, pour ne pas qu'ils perdent la tête en quelque sorte. Parce que nous sommes dans le monde de l'abstrait, de l'imaginaire, le monde de l'invisible. Et donc facilement on peut dérailler dans la folie. La seule chose qui nous maintient dans le réel, c'est cette osmose avec l'univers. Cette réalité tangible que l'on sent dans sa tête, aussi bien ici que de partout dans le monde. On fait partie du monde, vous voyez. Et ça prouve qu'on n'est pas fou. Parce qu'on tient compte, le monde nous affecte. C'est pas nous qui avons le pouvoir sur le monde, c'est le monde qui a le pouvoir sur nous. On fait partie du monde, vous voyez. On tourne avec ce monde. Ce monde communique avec nous. Et là, ça prouve qu'on est sain. Ça prouve qu'on est vivant. Ça prouve qu'on est normal. Voilà. C'est ça le sens du cours d'art dramatique. C'est de nous maintenir vivants. Vivants et réels. Pleinement conscients de ce que nous sommes. Merci. C'était le 55e cours d'art dramatique.
Merci. À bientôt. Au revoir.